béni soit ton Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce soir? Donnez-lui une main d'acclamation. Amen. Amen. Nous allons prendre notre temps. Shalom à vos églises. Nous sommes 113. Nous lirons les trois premiers versets. Soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Laissons la tête pour nous prier. Béni soit ton Seigneur ce soir pour cette réunion, cette opportunité que tu nous accordes de nous approcher de toi, Seigneur. Nous sommes bénis, Jésus-Christ, et nous sommes privilégiés. Seigneur, nous venons avec tout ce que nous avons comme désir dans le cœur, tout ce que nous avons comme poids, Seigneur, de déposer à tes pieds, Seigneur, de témoigner notre reconnaissance pour tous tes bienfaits et tes bénédictions que tu as déversées dans notre vie jusqu'à cette heure, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu feras davantage et davantage, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous voulons nous approcher de toi pour une intimité plus profonde, Seigneur, pour un contact plus réel, Seigneur, parce que notre âme a soif de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous réjouir, Seigneur, seulement de ce que tu as fait hier. Mais nous voulons davantage, nous voulons plus, être plus proches de toi, Seigneur. Nous voulons saisir la réalité confirmée de ta présence, Seigneur. Nous prions que ta présence vienne parmi nous et rencontre quelqu'un, Seigneur, de sorte qu'à la fin du service, il puisse dire, je suis venu et j'ai rencontré l'Éternel et mon âme a été bénie, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Laisse que ta présence soit si réelle, que ta bénédiction soit si réelle, Seigneur Jésus-Christ, que nous sortons de ce moment avec joie, avec réjouissance, avec louange et adoration. Bénis ton serviteur qui s'approchera ce soir. Seigneur, voilà d'une façon suprême, Seigneur, et que les démons, la maladie, toute forme d'oppression puissent reconnaître son maître ce soir. Béni soit ton Seigneur. Ferme-nous dans ta présence. Élève-nous, Seigneur, dans les lieux célestes. Et bénis-nous d'une manière spéciale, de sorte qu'à la fin du service, nous soyons pris dans la révélation de te rendre toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et la louange. Alors que nous te prions dans le nom de Jésus-Christ et que les rachetés disent Amen ce soir. Les mains levées. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble?
puissant, Seigneur Dieu puissant, d'être appelé tes enfants. Et quelle grâce et quel privilège de nous retrouver encore dans ta maison, dans ta présence, Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu puissant, pour te louer, pour t'adorer, toi le seul Dieu vrai, véritable. Ce soir, Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos âmes, bénis nos vies, bénis ta parole, Seigneur Dieu puissant, et bénis notre réunion de prières et nos prières qui s'élèveront vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, et amen, et amen, et amen, et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je vais inviter votre attention à quelques portions des Écritures dans le livre des Actes, le chapitre 2, un seul verset, le verset 4, et aussi nous lirons Actes, le chapitre 4, le verset 31, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 5, 1 Corinthiens 12, 13, et nous allons terminer par Galates, le chapitre 3, verset 3 au verset 27. Commençons par Actes, le chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Galates, le chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Éphésiens, le chapitre 4. Le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle joie, quelle grâce. Alléluia. De nous retrouver. Amen. 2022. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, dans la maison du Dieu vivant. Pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier et pour lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Combien nous aimons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner au Seigneur une main d'acclamation ce soir et le glorifier et l'exalter? Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Que Dieu soit béni. Nous croyons que Dieu a encore en réserve des grandes choses pour nous. Parce qu'il est un Dieu fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas et nous bénissons Dieu. Amen. Et nous le remercions. Allô pour sa bonté. Amen. Et que pouvons-nous dire de la réunion? Alléluia. Et même du dimanche, la clé a été tournée. Quelle saison glorieuse, frères et sœurs. Quelle saison merveilleuse. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur. Amen. Vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long ce soir pour notre réunion de prière. Un seul baptême, plusieurs remplissages en 2022 jusqu'à la pleine aversion. Ce sera mon titre. Un seul baptême, plusieurs remplissages en 2022 jusqu'à la pleine adoption. Et une petite inspiration, vous tous qui avait été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous l'avons lu dans Éphésiens. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Un seul Seigneur, une seule foi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Et quand vous croyez, gloire à Dieu, Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. Pour confirmer la foi qui est en vous, pour confirmer que vous êtes un croyant, pour confirmer que vous avez réellement cru la parole de Dieu. Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit
Il confirme votre foi. Quelle foi? Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi, la foi de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. La foi pour laquelle il nous a été dit de combattre, de lutter. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pour la ramener dans notre vie. Amen. La foi de cet tonnerre. Que Dieu soit béni. Dieu confirme notre foi. Une révélation de la parole. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Et il vous scelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous naissez dans le royaume. Gloire à Dieu. Et dites amen si vous le croyez. Et vous naissez dans le royaume, gloire soit rendue à Dieu, parce que par un seul baptême, amen, vous êtes membre du corps, pas le corps d'église, amen, mais le corps mystique de Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu. Alors, et vous êtes en voyage, et vous êtes en route, et vous commencez votre exode, gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Dites amen si vous le croyez, lorsqu'un homme se répand correctement, gloire soit rendue à Dieu, Dieu est obligé de lui donner le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Une naissance dans le royaume. Une naissance dans le corps mystique de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là que le voyage commence. Et c'est là que le voyage débute. Alléluia. Amen. Acte le chapitre 2. Amen. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. C'était la promesse de Dieu. Dieu les avait fait la promesse dans son ministère de la résurrection. Il avait soufflé sur le Saint-Esprit comme une promesse. Il avait injecté, amen, alléluia, les vertus en eux. Gloire soit rendue à Dieu. Et il les a dit d'aller attendre. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu comme un baptême. Alléluia. Et ils ont été baptisés. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Il y avait des choses surnaturelles qui se produisaient dans l'église. Ils avaient des témoignages. Ils avaient la joie, une joie ineffable et glorieuse. Ils étaient bénis dans leur âme. Gloire soit rendue à Dieu. Ils étaient comme un feu. Alléluia. Amen. Ils étaient en feu pour Dieu. Ils brûlaient pour Dieu. Ils avaient la joie, une joie ineffable. Ils bénissaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Il y avait des miracles, des signes qui s'opéraient. Alléluia. Dans leur vie, ils avaient des grands témoignages. Que Dieu soit béni. C'était le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Ils étaient nés dans le royaume. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Les choses qui doivent arriver. Et frère madame dit, amen. Vous dites, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Amen, c'est une bonne chose. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la véritable chose. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est là que je vais attirer votre attention. Amen, c'est seulement un don temporaire pour vous. Alléluia. Écoutez bien, c'est seulement un don temporaire pour vous. Alléluia. Le véritable don, c'est votre âme là au fond qui est née de Dieu, qui vient de Dieu. Amen. Et à partir de là, vous grandissez. Alors vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes en route pour la pleine résurrection. Vous êtes en route pour la pleine adoption. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous arrêter au baptême du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Amen. Et Actes, le chapitre 4, le verset 31. Amen. Jean et Pierre, amen, après avoir fait des miracles, après avoir opéré des guérisons, ils ont été menacés. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont pas pris au sérieux cette menace. Gloire, parce que lorsque un homme reçoit le baptême dans son âme, il n'a peur de rien. Il n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur, gloire soit de quoi que ce soit. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Et ils ont enlevé les autres. Ils se sont réunis. Ils se sont rassemblés. Gloire soit rendue à Dieu. Acte le chapitre 4, le verset 31. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et lorsqu'ils étaient en train de prier, la Bible dit que le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. C'était une secousse. Les démons ont tremblé. La maladie a tremblé. Les Jézabel ont tremblé. L'enfer a tremblé.
tremblé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ils étaient dans une unité de la foi, dans une unité du baptême du Saint-Esprit. Tous avec le baptême du Saint-Esprit, ils sont unis avec la même foi, avec la même révélation. Et quand ils ont prié, amen, le lieu a tremblé. Alléluia. Et je crois que ce soir, le lieu où nous trouvons, cela va trembler. Je parle, gloire, des atmosphères. Je parle des démons. Je parle de la maladie. Les démons vont trembler ce soir parce qu'il y a un peuple sur la terre qui a reconnu sa position, qui savent qui ils sont. Ils savent qu'ils viennent de Dieu et qu'ils retournent à Dieu. Et ils ont fait une expérience surnaturelle avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, quand il prêche, Dieu l'entend, Dieu les ose. Quand il prêche, les anges sont là. Quand il prêche, il y a quelque chose qui se passe. Quand il prêche, il y a une secousse. Quand il prêche, il y a un tremblement. Parce qu'il ne prie pas l'air en l'air. Il prie quelque chose qu'il connaît. Le Dieu qu'il prêche n'est pas dans le ciel. Il est en lui, sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Et il sait qu'il sait. Quand il prie avec assurance. Il prie avec évidence. Il sait que tout ce qu'il dira, cela va s'accomplir. Un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, quand il prie, il ne prie pas l'air à l'air, il parle, il prononce la parole, et ce n'est pas lui qui parle, mais c'est la divinité, le baptême du Saint-Esprit à l'intérieur de lui, qui s'empare de ses lèvres, des lèvres mortelles, et qui prononce des paroles de vie, des paroles de feu. C'est ce qui fait trembler les démons, c'est ce qui fait trembler l'atmosphère, c'est ce qui secoue. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Ils ont prié avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, ne venez pas dans les réunions de prière sans le baptême du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un pécheur, c'est un homme qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. C'est incrédule. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous n'êtes pas le croyant. Le croyant, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous qui est le croyant. Un homme qui a le baptême. Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes. Il n'y a qu'un seul baptême. Un homme qui a le baptême. Le véritable baptême. Le baptême authentique. Le baptême apostolique. Comme il avait au jour de la Pentecôte. Il sera rempli de feu. Il ne sera pas calme. Il ne sera pas froid. Il ne sera pas tiède. Il ne sera pas formaliste. Il sera en feu pour Dieu. Peu importe ses hauts et ses bas. Peu importe les problèmes. Peu importe les temps. Peu importe les circonstances. Il est toujours en feu. Il y a une adoration sur ses lèvres. Il est en feu pour Dieu. Il croit à la parole. Dites amen si vous le croyez. Il vit la parole. Que Dieu soit béni. Le même baptême va produire les mêmes œuvres. Le même baptême va produire les mêmes fruits. Le même baptême va produire la même émotion. Le même baptême va produire les mêmes sensations. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le même baptême et faire des choses différentes. C'est pour cela que Jésus a dit, amen, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Parce que le Père sera en vous. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous fait marcher comme Jésus. Vous fait parler comme Jésus. Vous fait prier comme Jésus. Vous fait adorer comme Jésus. Vous fait vivre comme Jésus. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils se sont réunis tous avec le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont prié. Et quand ils ont prié, le lieu où ils se trouvaient a tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Acte 2, c'était le baptême. Que Dieu soit béni. Acte 4, c'était le remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le baptême, cela est merveilleux. Amen. Cela déclenche la naissance. Mais vous ne devez pas vous arrêter avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que de dire, j'ai le baptême du Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais c'est un don temporaire. Il vient avec une mission. Il vient pour accomplir quelque chose. Il vient pour faire un travail. Gloire soit rendue à Dieu. Il vient pour vivifier. Amen. La semence qui est à l'intérieur de vous. Ah, parce que le véritable moi, le véritable don, c'est votre âme. Et votre âme est une âme spirituelle. Et votre âme, et cela vient de Dieu. Une
pensée éternelle dans l'arrière-partie de elle et là Elohim, cela vient de Dieu, c'est une partie de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une semence incorruptible. Le baptême du Saint-Esprit vient pour vivifier cette semence, vient pour réveiller cette semence, vient pour mettre en feu cette semence. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Cela n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement, amen, un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Votre âme qui est née de Dieu. Et vous grandissez pour être un fils, une fille de Dieu. Amen. Pour être adopté. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour la croissance. Alléluia. Parce que la Bible dit, Acte 2:38. Répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire soit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Après vous êtes repenti, Dieu vous donne ce don temporaire pour réveiller, pour vivifier. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et vous commencez le chemin, et vous commencez le voyage, et vous commencez les autres, et vous commencez la route. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous devez soupirer, votre âme, parce que votre âme a besoin d'eau, a besoin de plus d'eau pour grandir. Alléluia. Pour s'élever. Amen. Pour atteindre la pleine adoption, la pleine maturité, elle a besoin d'eau. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour cela que David a dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Pas un courant d'eau. Amen. Un baptême, non, mais des courants d'eau, des remplissages. Il dit, mon âme soupire, de même qu'une biche soupire auprès des courants d'eau, des courants au pluriel. Ainsi, mon âme, de la même manière, mon âme soupire. Il voulait plus, il voulait davantage. Il ne voulait pas s'arrêter au baptême du Saint-Esprit. Il voulait remplissage, après remplissage, après remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et 2022, c'est cela le désir de notre cœur. C'est cela le soupir de notre cœur. Nous ne voulons pas nous arrêter avec un seul baptême. Nous voulons aller de l'avant. Baptême après baptême, vague après vague, puissance après puissance, onction après onction. Et je crois que nous sommes au bon moment. Nous sommes au bon moment. La saison est juste. 2022, ce sera l'année des remplissages. L'année des remplissages, ce sera remplissage après remplissage. Ce sera baptême après baptême pour grandir, pour croître. Dites amen si vous le croyez. Mais ce sera pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui soupirent, qui soupirent. Ils savent qu'ils ont besoin de plus. Ils ont besoin de davantage. Ils ne veulent pas se contenter avec l'expérience d'hier. Je ne veux pas me contenter de l'expérience de 2021. 2022, je veux plus. Je veux davantage. Je t'en supplie, Seigneur. Montre-moi ta gloire. C'était un remplissage. Moïse ne voulait pas se contenter du baptême du Saint-Esprit. Il voulait plus. Il voulait davantage. C'est ce qui vous fait grandir. C'est cela qui vous fait croître. Pour parvenir à la pleine maturité. À la pleine maturité. À la pleine adoption. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Et le prophète Jérémie, amen, s'est écrié. Amen, dans Jérémie 17:7. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. C'est une bénédiction de se confier en Dieu, de prendre Dieu pour appui. Parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur sa propre chair. Ta chair ne peut rien faire. Ta chair ne peut rien te donner, mais celui qui peut te donner tout ce dont tu as besoin, c'est l'Éternel. Il peut te donner la joie, il peut te donner la paix, il peut te donner la puissance, il peut te donner la gloire, il peut te donner le désir de ton cœur. Malheur à celui qui s'appuie sur sa propre connaissance, sur sa propre force. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Il fait de l'Éternel son espérance. Pourquoi? Parce que Christ est en vous. Parce que Christ est en lui. Quand Christ est dans le cœur d'un homme, Christ devient son espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous, Christ devient votre espérance. Ça veut dire que vous soupirez après lui. Vous savez qu'il y a plus. Vous savez qu'il y a plus. Vous avez reçu les arts. Vous avez reçu les gages.
Mais vous savez qu'il y a davantage. Il y a plus qu'il vient. Et vous soupirez après cela. Vous vous confiez en Dieu. Vous ne vous confiez pas à un homme. Vous ne vous confiez pas à une femme. Vous ne vous confiez pas à une église. Mais vous vous confiez en Dieu. Quel Dieu? Pas le Dieu de la lettre, mais le Dieu qui est en vous, sous forme du baptême du Saint-Esprit. Une expérience. Et vous ne tremblez pas. Et vous n'avez pas peur. Même si vous avez commis des erreurs, vous vous répentez. Parce que vous savez que vous allez y arriver. Vous serez parfait. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous conduit à la perfection. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Je viendrai en vous sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Pour vous conduire dans la pleine puissance. Dans la pleine mesure. Dans l'adoption parfaite. Détermine si vous le croyez. Et il devient votre espérance. C'est une ancre qui est dans votre cœur. Qui tient bon. Un homme sans le baptême du Saint-Esprit, il sera ballotté d'ici et là. Il sera ballotté par toutes sortes de doctrines. Par toutes sortes de amen, de faux enseignements. Il sera ballotté par les faux soins. Il sera ballotté d'église en église. D'ici et là, de lieu en lieu, il sera ballotté. Mais un homme qui a le baptême, son ancre tient bon. Il est établi. Que 1000 tombent à sa gauche, 10 000 à sa droite, il ne sera jamais atteint. Il ne vacille pas. Il est comme un arbre qui est planté. Il est planté. Il n'est pas collé. Parce que si tu es collé, tu vas faillir. Si tu es collé, tu seras ébranlé. Mais il est planté. Il est enraciné dans l'amour, dans la profondeur, dans la hauteur, dans la puissance, dans la grâce. Christ en lui. Une espérance. Il sait qu'il va y arriver. Et 2022, vous allez y arriver. Parce que ce sera baptême après baptême. Remplissage après remplissage. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Et dont l'éternel est l'espérance. Écoutez la suite. Il est comme un arbre planté près des eaux. Pas planté près des eaux. Près des eaux. Hallelujah. Sept courants d'eau. Écoutez ce que le prophète dit. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Parce qu'il est couvert par des feuillages. Quand la chaleur vient, quand la disette vient, quand la famine vient, quand la maladie vient, il n'aperçoit point cela. Parce qu'il est dans un lieu secret. Il est enfermé dans le lieu très saint. Il est dans une présence. Il est dans un monde inconnu avec Dieu seul. Et il marche dans ce monde qui est un monde de foi. C'est un monde de foi. Quand les gens pleurent, quand les gens se lamentent, quand les gens se soucient, quand les gens sont inquiets, il est positif. Je sais que cela va marcher. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis un fils de Dieu. Mes affaires marcheront. Cela va aller. Il est dans un autre monde. Il n'est pas dans votre monde. Votre monde d'incrédulité. Votre monde de lamentation. Votre monde de pleurs. Votre monde de problèmes. Il est enfermé dans un autre monde. Il ne voit rien que la parole. Il ne voit rien que Dieu. Sous forme du baptême du Saint-Esprit, le jour soleil de jouer à l'intérieur de lui, en train de mûrir la sémence pour la transformer en pain de proposition. Il ne soucie de rien. Il n'a peur de rien. Il ne se lamente pas. Il ne s'inquiète pas. Il n'aperçoit même pas la chaleur. Les gens pleurent. Les gens s'inquiètent. Il n'aperçoit pas cela. Il ne marche pas par la vue. Il marche par la foi. Si tu marches par la vue, tu verras ce que les autres voient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des géants. Ils ont vu des géants. Ce n'était pas une imagination, c'était une réalité. Ils ont vu des géants parce qu'ils marchaient par la vue. Et quand ils ont vu les géants, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à s'inquiéter. Mais il y avait deux, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Ils ne voyaient pas des géants. Ils ne voyaient pas des géants. Ils voyaient des sauterelles. Ils voyaient des sauterelles. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu ne vois pas de problème. Tu ne vois pas les nuages. Tu vois les solutions. Tu vois la réponse. Parce que Christ en toi, il est la réponse. Il est la réponse à la question de Satan. Tu ne vois pas de problème. Tu vois la solution. Tu vois la solution. Peu importe ce qui arrive, même ce qui appelle, même ce que les gens appellent des montagnes, toi tu te dis, qui es-tu, grande montagne?
devant moi, le Fils de Dieu, avec le baptême du Saint-Esprit, tu seras aplani. Tu seras aplani. Il ne voit pas les grandes montagnes. Il ne voit pas les grandes montagnes. Il voit le Dieu qui est en lui, sous forme du baptême du Saint-Esprit. Et il sait que le Dieu qui est en lui est plus fort que les problèmes, est plus fort que la maladie, est plus fort que le diable, est plus fort que tout ce qui peut arriver. Et c'est son ancre, et c'est son espérance. Et il marche. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point les problèmes. Il n'aperçoit point les nuages. Parce qu'il est dans un monde inconnu. Amen. Et il devient un mystique. Il devient un mystique pour les gens. Les gens ne le comprennent pas. Peu importe ce qui arrive. Peu importe les variants. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe les variants. Cela ne l'inquiète pas. Cela ne le secoue pas. Il voit un Dieu en lui qui est plus fort que tous les variants. Qui est plus fort que la maladie. Qui est plus fort que l'épidémie. Qui est plus fort que toutes choses. Parce qu'il est en route pour l'adoption. Son objectif, c'est l'adoption. Son focus, son adoption. Quand il se lève, je serai adopté. Quand il dort, je serai adopté. Quand il va à l'école, je serai adopté. Au travail, je serai adopté. C'est son espérance. Parce qu'il sait qu'il est dans la saison. Alléluia. Ou à tout moment, Dieu peut le visiter par un ange. Dieu peut le visiter. Voulez-vous me dire que 2022, lorsque vous serez en train de marcher, Dieu peut vous visiter avec la présence des anges? Parce que ceci, ce n'est plus le temps d'un homme, c'est le temps des anges. C'est le temps des anges, le temps de l'adoption, où Dieu peut vous appeler quelque part, sur une colline, dans une petite cabane, dans votre cuisine, à la maison quelque part, dans la chambre, et vous visiter par un ange. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma gloire, en qui j'ai mis toute ma puissance, en qui j'ai mis toute mon onction. Écoutez-le, et les démons vont vous écouter, et la maladie va vous écouter, et le problème va vous écouter. Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Avez-vous écouté cela? Son feuillage reste vert. Dans la chaleur, il est toujours pareil. Il ne change pas. Il n'est pas un caméléon. Il ne pousse pas la couleur du temps. Il ne pousse pas la saison. Son feuillage reste vert. Il est constant dans la foi. Il ne vacille pas. Comme Abraham. Abraham n'a point vacillé par incrédulité. Il était vert. Il était tendre au sujet de la promesse. Sachant que Dieu ne peut pas mentir. Que Dieu ne peut pas se tromper. Que Dieu l'a parlé. Cela va arriver. Peu importe son corps idée. Peu importe ses douleurs. Cela va arriver. Il aura un fils. Il aura la puissance. Il aura la gloire. Il n'a point vacillé. Ses feuilles restent vertes. C'est cela un fils qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit et qui est planté près des courants d'eau. C'est-à-dire baptême après baptême, remplissage après remplissage. Gloire soit rendue à Dieu. Il est vert tout le temps. Lorsqu'on parle mal de lui, lorsqu'on l'injurie, lorsqu'on le critique, lorsqu'on parle mal de lui, il est toujours vert. Sa couleur ne change pas. Son feuillage ne change pas. Il est toujours vert. Parce qu'il a un autre vêtement, un vêtement arc-en-ciel à cette couleur. Un vêtement arc-en-ciel qui est sur lui. Il ne peut pas changer de couleur. Gloire soit rendue à Dieu. Il reste toujours vert. Il est toujours incroyable. Peu importe le lieu, que ce soit au village, peu importe l'endroit, à l'école, au travail, même là où il est seul. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il est toujours vert. Il ne change pas. Il n'est pas un croyant. Il n'est pas un croyant de dimanche ou un croyant de mercredi. Il est un croyant tout le temps. Lundi, il est croyant. Mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, il est toujours vert. Il ne change pas. Hallelujah. Amen, amen. Écoutez encore ce que le prophète Jérémie dit. Il dit dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Alors que dans l'année de sécheresse, tout est en train de sécher. Lui, il porte des fruits. Il porte des fruits. C'est cela 2022 pour Ange d'or Tabernacle. Nous allons porter des fruits. Plus de fruits. Davantage de fruits.
peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les politiciens disent, peu importe ce que les faux prophètes disent, qu'ils disent que l'année 2022 sera difficile, sera horrible, même pas pour vous. Vous allez porter du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits, davantage de fruits, parce que vous irez de baptême en baptême, de remplissage en remplissage, victoire après victoire. Alléluia. C'est ce dont nous avons besoin. Écoutez le prophète. Je vais terminer avec cela. Il dit ce dont le monde a besoin. C'est de ce même remplissage. Quand on se vide, il faut un remplissage. Et que fait le remplissage quand il vient? Là où il y a les doutes, il apporte la foi. Là où il y a l'indifférence, il apporte l'amour. Là où il y a de la haine, il apporte la communion fraternelle. Gloire soit à Dieu, à Dieu. C'est de cela que nous avons besoin. Un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Que tout le monde s'agenouille à l'autel et prie jusqu'à ce qu'il obtienne le renouvellement du Saint-Esprit. Et que toute l'Église soit remplie de la puissance de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du remplissage pour conditionner notre âme, pour conditionner notre esprit et pour nous placer dans la croissance pour l'adoption. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous tous. Élevons tous les mains. Un seul baptême, plusieurs remplissages en 2022, jusqu'à la pleine adoption. Les yeux fermés. Cela doit être le soupir de vos cœurs, le soupir de nos cœurs. Parce que le baptême est un don temporaire. Mais le don éternel, c'est votre âme. Et votre âme a besoin d'être constamment en feu. Et votre âme a besoin de l'eau. Parce que nous sommes dans la sécheresse. Et dans la sécheresse, vous avez besoin de l'eau. Pour rester vert, pour rester tendre. Et les courants d'eau, ce sont les remplissages. Chaque mercredi, remplissage. Dimanche, remplissage. Pourquoi? Parce que c'est le soupir de ton cœur. Pourquoi? Tu reçois ce que tu cherches. Tu reçois ce que tu demandes. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. Quand vous avez faim, vous avez soif de Dieu, vous soupirez comme David l'a dit, comme une biche soupire. Le monde peut soupirer après la richesse, le monde peut soupirer après la promotion, mais vous soupirez après le remplissage. Et quand le remplissage vient, il apporte la promotion, il apporte la richesse, il apporte la bénédiction, il apporte le succès, il apporte la réussite. Quand le remplissage vient, il apporte l'amour, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte la gloire, il apporte la puissance. Quand le remplissage vient, mon feuillage devient vert. ...2022... remplissage après remplissage, jusqu'à la pleine adoption. Frères et sœurs, si vous voulez atteindre l'adoption, vous avez besoin des sept marches. Les sept marches de l'échelle de Jacob, c'est ce qui vous amène à l'adoption. Qu'est-ce que c'est? Remplissage après remplissage. Sept courants d'eau. Cela inonde votre âme. Et votre coupe déborde. Et votre âme est rafraîchie. Et vous êtes en train de grandir dans la pyramide jusqu'à la pleine adoption. 2022, l'année du nouveau remplissage. L'année de plusieurs remplissages. Nous avons déjà accompli acte 2, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous devons accomplir acte 4, où ils se réunissent dans les familles, à la maison, au travail, à l'école, et ils prêchent. Et le Saint-Esprit descend pour inonder les âmes, pour rafraîchir les âmes. Il y a un seul baptême, mais il y a plusieurs remplissages en 2022 jusqu'à la pleine adoption. 2022 doit être l'année. Vague après vague, remplissage après remplissage. Pour ceux, pour celles qui soupirent après la pleine adoption. Voici votre adoption. Remplissage après remplissage. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, vous avez un soupir dans votre cœur. Vous avez un désir dans votre cœur. Vous avez une espérance dans votre cœur. Vous avez un poussé à bout. Vous avez une détermination. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Parce que quand le remplissage vient, il apporte tout ce dont vous avez besoin.
il vient avec toutes les vitamines spirituelles pour votre croissance spirituelle. Quand le remplissage vient, il apporte la puissance, il apporte l'onction, il apporte la bonne santé, il apporte le succès, il apporte la réussite, il apporte la réponse à tous vos problèmes. Quand le remplissage vient, c'est pour cela que nous devons soupirer. 2022, nous devons soupirer après le remplissage. Réunion après réunion, remplissage, vague après vague, vague après vague, puissance après puissance, onction après onction. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Alors vous devenez comme un homme, planté près d'un courant d'eau. Remplissage après remplissage. Et cela vous inonde. Et vous grandissez. Et vous croissez. Pour atteindre la pleine adoption des fils et des filles de Dieu. C'est là où vous allez ordonner. Là, vous ne prierez plus, mais vous allez ordonner. Maintenant, nous prions. Mais l'heure vient et l'heure est venue. J'ai dit, l'heure est venue. Je pourrais dire que cette année 2022, le temps de l'adoption, le temps de l'adoption, Dieu déverse en vous sa puissance. Il déverse en vous sa résurrection. Il déverse en vous son unité. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi et le Père, nous sommes en vous. Elohim et le Logos en vous. Le super signe sera manifesté dans cette année 2022. Le monde verra Dieu. Dieu voilé. Le monde entendra Dieu parler de nouveau comme au jour de la Pentecôte. Tel doit être le désir de ton cœur, sœur. Tel doit être le désir de ton cœur, frère. Jeune Jean, jeune frère, le désir de votre cœur. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. À l'école, Seigneur, remplis-moi. Quand tu as un temps de pause, temps de récréation, tu te mets à l'écart quelque part et tu pries, Seigneur, remplis-moi. Tu ne t'assieds pas en compagnie de vos cœurs. À l'école, tu ne t'assois pas en compagnie de vos cœurs. Mais tu mets ton espérance à l'éternel. Tu te confies à l'éternel. Tu ne marches pas avec les mécréants, avec les moqueurs. Tu es séparé et tu marches avec Dieu seul. Et tu l'adores. À l'école, à la maison, dans la rue, au travail, tu l'adores. Tu l'adores, tu es dans une adoration constante, dans une prière constante, dans une consécration constante. C'est là que vient le remplissage. Acte le chapitre 4. Le remplissage est venu lorsqu'ils étaient en prière. Et le diable sait que lorsque les hommes et les femmes s'unissent par la foi dans la prière, le remplissage vient. Il envoie la distraction, il envoie la télévision, il envoie les réseaux sociaux. Mais lorsque vous vous détournez de ces choses et que vous entrez dans la prière, à la maison, à l'école, au travail, vous êtes dans une atmosphère de prière, le remplissage va descendre dans votre âme. Et vous serez rempli. Et pendant que vous êtes en train d'être rempli, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de croître. Vous êtes en train de pousser. Vous êtes en train de pousser pour donner plus de fruits, davantage de fruits. 2022, vous allez porter du fruit, plus de fruits, davantage de fruits, parce que c'est l'année du remplissage où vous serez rempli, 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 rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'adoption. Et quand le temps de l'adoption arrive, nous avons besoin du remplissage pour nous élever, pour grandir, pour croître dans la pleine stature des fils et des filles de Dieu, dans la pleine adoption. Un seul baptême. Lorsque vous avez fait l'expérience du véritable baptême, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême, alors vous êtes en route pour le remplissage. Ce sera vague après vague. Pas une imagination, mais une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Cela vous place dans la saison des remplissages, pour que vous soyez comme un homme planté près d'un au pluriel d'un courant d'eau. Oh, adorez-le simplement ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Pour 2022,
peu importe la sécheresse, peu importe la disette, peu importe la maladie, peu importe la famine, peu importe les épidémies, vous allez porter plus de fruits, plus de fruits, davantage de fruits. Vos affaires marcheront, vous aurez du succès, vous aurez la puissance, vous aurez la gloire, vous aurez l'onction. Et Dieu, par-dessus tout, vous couronnera de la charité. Parce que c'est le temps de l'adoption, le temps de la manifestation, le temps de la puissance, le temps de la gloire. Jeune, jeune, 2022 doit être votre saison où vous devez être poussé à bout, où vous devez être déterminé. Seigneur, remplis-moi. Parce que quand le remplissage vient, il chasse la peur, il chasse la pornographie, il chasse les Jézabel, il chasse les réseaux sociaux, il chasse les copinages, il chasse tout ce que Dieu n'a pas créé dans votre vie. Voilà pourquoi vous devez soupirer après le remplissage. Bien, vos habitudes mon Seigneur ils s'en vont. Voici, vous devenez une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Quand le remplissage vient, il met fin aux choses anciennes. Quand le remplissage vient, il met fin aux vieilles habitudes. Quand le remplissage vient, il met fin à l'incrédulité, il met fin aux doutes, il met fin à la misère, il met fin aux échecs. Quand le remplissage vient, vous devenez comme un arbre planté près des pruniers. Vos feuillages ne se flétrit point. Vous êtes vert tout le temps. Vous êtes positif tout le temps. Quand le remplissage vient, votre langage change. Ils se sont réunis tous à quatre et ils ont commencé à prier avec la foi, avec ferveur. Et le remplissage est descendu. Et ce soir, le remplissage peut descendre ici dans cette salle. Le remplissage, jeune gens, jeune frère, jeune soeur, frère, soeur. Le remplissage peut descendre sur vous ce soir. Le remplissage doit commencer ce soir. Cela doit être toi. Cela doit être toi, mon frère. Cela doit être toi, ma soeur. Des pluies de guérison. Des pluies de bénédiction. Des pluies d'onction. Des pluies de gloire. La présence de Jésus-Christ. Les deux pluies qui descendent. 2022, les deux pluies vont descendre ensemble. Et vous serez rafraîchis. Et vous serez renouvelés. Et vous serez inondés. Et votre couple va déborder. Et vous allez porter du fruit. Plus de fruit. Davantage de fruit. Beaucoup de fruit. Tout ce que vous ferez, cela va marcher. Un seul baptême et plusieurs remplissages pour 2022 pour grandir jusqu'à la pleine adoption. Que Dieu ce soir conditionne votre âme, qu'il conditionne votre esprit pour le remplissage. Parce que 2022, nous allons expérimenter remplissage après remplissage, pas après pas, puissance après puissance, onction après onction, pour la pleine adoption, pour la pleine et complète adoption des fils et des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors que Frère Cyril nous conduit dans l'adoration, que Dieu vous bénisse. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, n'oubliez pas de prier pour notre pasteur, pour la réunion du dimanche. Que Dieu descende le dimanche avec le remplissage. Parce que nous devons avancer, remplissage après remplissage, puissance après puissance. Parce que la
tu peux lui dire merci ce soir. Alors que les diacres vous font sortir.